Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des arcs électriques avec un transformateur de micro-ondes. Donc, je me suis procuré ce transformateur de micro-ondes là. J'ai branché le 120 volts sur la bobine la moins dense. Et sur la bobine la plus dense, j'ai branché un clou et une tige pour faire les arcs électriques. C'est le même principe qu'un transformateur ordinaire. C'est que, habituellement, le 120 volts, il est sur la bobine la plus dense. Donc, le courant il est réduit. Donc, comme un transformateur, 12 volts, 6 volts. Parce que là, on a inversé, donc ça fait une plus haute tension. Donc, c'est pour ça que ça fait des arcs électriques d'environ 25 000 volts. Donc, il faut mettre des gants parce que c'est dangereux. La haute tension, environ 25 000 volts. 3, 2, 1. Donc, je vous présente une échelle de Jacob avec 25 000 volts